Salut les gamers, salut à tous, nous nous retrouvons donc pour une vidéo et encore de GTA, moi qui avais dit au tout début que je ne ferais que 3 vidéos de GTA pour ne pas vous spoiler le jeu, mais il y a tellement de choses secondaires que l'on peut faire, que je peux vous montrer sans spoiler le jeu, que j'ai du mal à me retenir à chaque fois que je découvre quelque chose, je me dis il faut que je leur montre, donc voilà encore une vidéo. Celle-ci commence donc comme vous pouvez le voir par une séance de yoga. Parfois, il faut savoir trop chercher un temps calme, un temps où on peut se reposer, un temps où on peut se relaxer, se concentrer. Donc je vous invite à prendre cette position dans votre chambre, dans votre salon, dans votre endroit où vous êtes pour regarder cette vidéo et de suivre ces mouvements en inspirant et en expirant. Et là, vous vous dites, mais il a complètement pété un plomb. Et oui, c'est vrai. Donc en tout cas, ça me fait rire, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. Le coup du yoga, fallait y penser. Surtout dans un jeu comme GTA, où on a tendance à faire des choses un peu brutes. Hein. On écrase des gens sans faire exprès, ou en faisant exprès. On tire sur des gens, on y a des courses-poursuites, etc., etc. Et là, d'un coup, vous pouvez vous prendre un petit moment tranquille, avec une petite musique d'ambiance. Et tout ça, pour la totale relaxation. Ça ne peut que vous faire du bien. Vous devriez essayer. Vous prenez ces positions qui ne sont pas toujours faciles à faire, parce qu'il faut quand même en avoir dans les jambes parfois, et une certaine souplesse que nous n'avons pas tous. Moi le premier. Et donc voilà. Ensuite, après cette séance de yoga, je me suis dit, quand on est bien relaxé, quand le corps est au calme, on va faire une petite séance de sport. Et donc nous allons faire un tennis, nous allons aller dans un club, donc vous verrez rapidement, là je me change, je vais chercher ma voiture, et on se dirige vers un club, mais pas n'importe quel club. Alors là j'ai coupé un petit peu pour que ça aille un peu plus vite, parce que le yoga c'est bien mais ça dure longtemps, donc voilà, comme j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures avec du yoga, donc je pense qu'en plus que ça vous intéressera pas plus que ça, à part m'écouter bien sûr. Donc je me suis dit, après on va aller se faire un petit tennis, et vous allez voir que le tennis n'est pas si mal que ça, eh oui. Et bah bizarrement, le tennis, c'est pas mal. Moi je me suis bien amusé, on y prend goût. Je ne sais pas si en ligne on peut jouer au tennis avec les potes, mais franchement c'est pas mal. Franchement, je me suis bien amusé. Donc vous verrez ça de vos propres yeux après cette séance de yoga qui j'espère va se terminer d'ici peu si je ne me trompe. Voilà, je crois que c'est le dernier mouvement. Voilà, je me récupère mon iPhone. Donc là après j'ai coupé aussi des petits trucs parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Là normalement je vais me changer, je passe à mon dressing, je me mets des petits habits appropriés pour le tennis. Et là donc voilà, après cela je sors, je vais chercher ma voiture. Donc là dans mon garage j'ai quoi en ce moment? Une Jaguar. Et oui, ça ressemble beaucoup à la Jaguar. Un beau petit bruit en plus celle-ci. Alors là mon fils, sans vouloir trop spoiler, c'est mon fils qui a récupéré l'Audi que j'avais, une très belle Audi, c'est mon fils qui a récupéré mon Audi, là depuis il me l'a ramené avec un peu de customisation, un peu de tuning, avec des jantes en forme de S de dollar, super, ça fait horrible, donc il faut que je les change. Mais bon, pour l'instant, je roule en Jaguar et direction donc le club. Pareil, je vais vous. Bon, comme dedans, vous connaissez un petit peu la ville, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Je vais vous appeler le trajet qui est moyennement long. Il est pas long, hein, mais c'est moyen. Donc, je dis, bon, voilà, c'est bon, vous connaissez un petit peu. Donc, je vais vous faire 2-3 virages et on va directement arriver au club. Une petite musique tranquille. Et hop là. Donc là je me suis garé, hop, j'ai cherché un peu le chemin pour savoir où me diriger, je l'ai trouvé. Et donc là vous verrez au-dessus, il y a le court de tennis. Et donc on va pouvoir se déchaîner un petit peu sur une jolie demoiselle, comme vous allez pouvoir le constater. Alors il y a plusieurs niveaux de difficulté, hein. Vous pouvez mettre en facile, en normal ou en difficile. Là je suis en normal. Et vous le voyez là, normal. Vous pouvez choisir le nombre de sets, le nombre de jeux même, si vous voulez faire un jeu rapide. Bon là j'ai fait 3 jeux je crois, vous voyez, pour que ce soit un peu rapide, mais vous pouvez choisir un match entier. Hein. Ça peut quand même bien durer, parce que vous allez voir que les 3 jeux que je vais faire là vont durer quand même un certain temps. Et c'est parti. Donc même système habituel que jeu de tennis, hein. Pour le service, on charge,
on place au bon endroit, on tire. Voilà. Vous avez vu, donc ça pas si simple que ça. Elle a bien répondu à mon attaque. Et donc nous partons pour ce tournoi du Grand Chelem. Sur une surface rapide et dure. Alors vous pouvez lifter, vous pouvez lober, vous pouvez slicer, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que simplement, y a une petite légende qui se met en bas avec les touches à utiliser en cas de besoin. Et sur ces touches, vous avez par exemple le carré, le triangle, pour les différents tirs que vous pouvez faire au tennis, hein, tout simplement. Les accélérations, vous pouvez monter au filet, vous pouvez faire de la volée, donc c'est très complet, c'est très très complet. Les services, j'ai pas encore très bien saisi comment les placer, que j'ai tendance à trop aller sur le côté, donc je réussis à tirer fort, c'est pas le problème, c'est vraiment les placer. Que c'est un système, mais j'ai l'impression que dès qu'on lâche le joystick, il se remet au milieu et ça tire tout droit, donc mais bon, c'est pas ce qui m'empêche de jouer, donc voilà. Mais donc c'est pas mal, hein, vous voyez, ça joue bien. Le jeu de jambes est très rapide. Voilà, un jeu de jambes à la Nadal, à la Michael Chang, pour ceux qui connaissent, les anciens. Et donc voilà, donc point gagné. Voilà, donc je vais pas aller jusqu'au bout du match, hein, je voulais laisser le match, hein, vous verrez si je gagne ou pas ces trois jeux. En tout cas, sachez que ça va être serré. Et je vais vous souhaiter surtout une bonne continuation. Et bien sûr, voilà, je vais pas vous faire une autre GTA, parce que je sais déjà que j'en ai une ou deux dans la tête déjà. Ils sont presque prêts, donc sachez quand même qu'il y aura le golf, je crois que je l'avais déjà annoncé en plus, le golf avec Franklin qui va faire un golf, c'est pas mal fait le golf. Je vous ferai une petite vidéo de 20 secondes peut-être quand il prend le métro à Los Angeles, le métro aussi, donc voilà, ce genre de petites choses et on verra ensuite. Voilà, et bien sur ces quelques mots, je vous souhaite de passer une très bonne, j'allais dire une bonne soirée, parce que là nous sommes le soir, je sais que vous allez peut-être le regarder à un autre moment, mais sachez que pour moi il est lundi soir 23h52 exactement. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne continuation dans cette petite vidéo, voilà, vous verrez qui fait le boulot, et je suis bien régalé sur ce petit tennis. Allez, à très bientôt, à plus. You can really play. Let's not fuck this up. Not bad for a fat old fucker. Thank you.
Still got the old magic. Oh, I'm feeling good about this one. Fool like me. Well, at least I hope you learned something. Sad and desperate. Always shows, dear. Washed up yet.